Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour un petit run de week-end, toujours sur Moonlighter, où l'on a pour objectif aujourd'hui d'aller visiter ce nouveau portail interdimensionnel. Mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne, ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Et donc sans plus attendre, on va retourner dans le jeu. Et on va partir en direction de ce nouveau donjon. On a deux potions et pour une découverte, ça suffira bien. Même une troisième. Hop. Notre inventaire est ready. On va aller se faire deux, trois petites potions. Waouh, il y a des gens... Il y a des gens humanoïdes. D'accord, il s'est passé plein de choses en 3 mois. On va se faire petite potion. Ouais, il m'en faut 2. Oui, voilà. On a accès à plein d'autres potions. Je pense que ça va être au coton, ce nouvel endroit. On va quand même y aller prudemment, à voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Et voilà, et on dirait des dés 1, 2, 3, 4. Il y a peut-être 5 et 6 qui sont cachés derrière. Peut-être des choses à faire vis-à-vis de ça. En attendant, on va aller se faire avaler par l'espèce de slime gluant. Et on va pouvoir voir également ce que donne notre nouveau familier. Donjon du voyageur. D'accord. Ok. Avec notre arme classique. Hop. Je sais pas ce qu'on a chopé. On prend tout ce qu'on trouve, hein, évidemment. À chaque fois, il y a 4 portes. Ok, donc eux, ils ressemblent aux anciens... Oh! Toi, t'as l'air assez violent en fait. Ok, directement, on veut bien découvrir l'entièreté de ce nouveau donjon, même quitte à ne faire qu'un seul étage. On va récupérer tout ce qui est possible. Ça c'est des nouveaux monstres aussi. Ok. Donc là la salle elle est faite. On va aller partir en dessous. Ah, clairement c'est pour ça qu'il y avait des armes aussi balèzes. Balèzes les monstres, tout simplement. Même si c'est des monstres qu'on a déjà vu, hein. Mais mince, ça c'était pas nécessaire, j'aurais pu l'éviter. On va récupérer tout ça. Ok, alors là on était déjà plein. Alors ce qu'on va faire, oh, beaucoup de choses. Livre sacré ancien. Alors tu vas me faire rentrer à la maison ça, puisque c'est nouveau. Ensuite, le livre sacré ancien, eh bien évidemment tu m'as me le faire rentrer à la maison. Ça on n'a pas besoin d'en faire 1 milliard, pas pour le moment. Sculpture de bois sylvestre, tellement de choses. Ouais, tu prends tout le reste, ok.
Ça, c'était une bonne salle. Hein. On peut monter. Okay. Là, on gère. Sans trop de difficultés, c'est quoi ces... ces trucs? On dirait une autre monnaie. Alors. À lire. Ah oui. Journal de ramassage 01. Quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Je suis au point de rendez-vous, mais il n'y a personne pour me récupérer. D'après le protocole, je dois patienter. On viendra me chercher, c'est certain. Ok. Et de toute évidence, t'es resté longtemps ici. Hein. Bon, on va avancer. On a fait l'entièreté du niveau. On va aller récupérer un peu de vie. C'est pas nécessaire. On va aller affronter le boss. Ok, il n'y a pas un boss tout de suite. Hein. Hop. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on a? Ça détruit un objet. On veut pas que ça détruise d'objet. 3. À la place de ça. Parce que le lierre, on sait que ça vaut pas grand-chose. Ça, on en a déjà 2. Donc on peut prendre ça. Ça, c'est fragile. Bah, tu peux prendre ça à la place de la barre de fer. Et ça, vu qu'on connaît pas non plus, tu peux venir le mettre là, à la place du bois magique. Ok, on va aller récupérer un petit peu de vie. Un chouïa, hein. C'est dommage d'arriver au boss sans armure et sans bouclier, mais bon. On a quelques popos de soins. Ah, se téléporter. Ou bien. T'es curieux ça. Donjon de voyageur 2. Aïe aïe aïe. Ok, on va passer à l'arc alors. Hein. Aïe, là on déguste quand même. Oh, on prend tellement cher. Allez, meurs toi. Un de moins. Ok, victoire. Compliqué. Compliqué cette salle. Je suis désolé. Toi, tu t'en vas. Vous aussi. Malheureusement. Voilà. Ah. Ok. Ok, là on est bien. Et tu me prends ça. Parfait. Là on est pas mal. À la limite, on peut se faire une petite salle supplémentaire. Thank you.
Ok, ça c'est fait. Et ça c'est fait. Parfait. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On va enlever ça pour le prendre à la place. Ok. On va prendre tout ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est parfait. Ah, que 5. D'accord. Donc ça tu t'enlèves. Et toi aussi. Tu enlèves ça. Du coup on peut prendre tout le reste. Parfait. On tente la salle suivante. Oui. Allez. Ok, là c'est la victoire, salle suivante. On va y aller tranquillement. Hein. Il y a une proposition de soins à récupérer, donc on va la prendre évidemment. Ok, est-ce que tu lâches? C'est plutôt intéressant. Celle sur laquelle on n'aura pas lutté, ça fait plaisir. De la vie, ça aussi ça fait plaisir. On va évidemment la prendre et on va revenir en arrière faire les salles que l'on n'a pas faites comme celle-ci. Ok, alors ici qu'est-ce que ça nous dit? Journal de ramassage 10. Je leur ai tout donné, je leur ai donné ma vie, toutes ces années à travailler sur cette machine pour récolter les déchets des autres. Et il m'abandonne, tout seul à mon propre sort. Ok. On a, semble-t-il, tout fait. Bon, bah on va aller se diriger vers le boss. C'est pas le boss. Ça, on va se tuer le plus rapidement possible. Voilà, merci, c'est parfait. Mince. Ok. Ça c'est fait. Ah, on a perdu des objets. Pas cool du tout. Il y a ça. Bienvenue Will, aventurier. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Amène-moi des blocs de glu et je te donne des potions, armes et raccourcis. Ok. Combien de potions? Au revoir. Amène plus. Ok. Besoin d'un portail? Non. Objet maudit, c'est quoi tout ça? Et ici? Amène plus de schéma et armes. Là, on n'a pas. D'accord. On va se téléporter. C'est une bonne première approche qu'on aura faite. On part plein. Et on va voir, on va stocker tout. On va stocker. Non, pas forcément stocker. On va voir ce qu'il nous faut pour avoir des nouvelles armes et armures. Alors déjà, il y a plein... personnes qui veulent nous parler. Alors on va s'en occuper. Et alors dis-nous tout. Salut Will. Ce nouveau portail nous a amené plein de visiteurs. Est-ce que tu serais intéressé par une amélioration de ta boutique? Celle-ci permettrait aux clients d'offrir des échanges d'artefacts. Mais cela ajoutera aussi de nouvelles décorations.
et même un gadget étrange qui aide à nettoyer ta boutique. Qu'est-ce que tu en dis? Pour 500 000. Ok. Tu vas adorer. Et voilà la meilleure boutique qu'on puisse avoir à Rinoka. Ça ne se voit pas à l'extérieur, d'après toi. Hein. La technologie dimensionnelle nous a permis de modifier l'intérieur, mais pas l'extérieur. Il est important de conserver le style du vieux Rinoka pour les touristes. Oui, avec des panneaux touristes, tout ça, tout ça. Ouais, j'aimais bien moi mon ancien magasin. Au final, plus 10 de pourboire, ok. Ici, on a encore deux trucs à mettre là-bas. Ok. On va mettre ça. On a encore deux emplacements. On verra ça plus tard pour ces deux emplacements-là. Ah, c'était ça le truc d'échange d'artefacts. Hein. Je ne vais pas y toucher honnêtement. Oui. Également là, qu'est-ce qu'on va y mettre? On est à 160%. Ça fait chuter les voleurs. Ok. Oh, tous nos coffres. Tu vas y mettre ça. Tu vas y mettre les deux potions pour l'instant. On va se faire un coffre dimensionnel, je pense. Ok, toi t'es quasi plein. Enfin, t'es plein. Batterie, note sur le flux techno-histoire. Ok, on part là-dessus. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Parce que de toute façon, c'est bien là que ça va se passer. Ça, la potion, elle partira dans l'autre coffre. Je récupère ça, ça, ça. Et voilà. Là, tu me fais tout passer. Merci. Parfait. On va aller voir ce qu'on peut faire en termes d'armes et d'armure. Est-ce que je vais fabriquer un meilleur armement? Bah oui. Oh là là, ça coûte tellement cher. Des trucs, mais pas tout ce qu'il faut. Et pour les armes, on n'a pas encore ce qu'il faut. Et l'arc non plus. Ok, donc on va refaire un run histoire de grappiller encore des ressources. Il reste 5 jours. Pour l'instant, on a perdu. On va encore attendre. Est-ce qu'on a besoin de se reposer? Non, on a nos boucliers, on a tout ce qu'il faut. On va y aller. Il est sympa, notre nouveau petit familier. Par contre, c'est clair qu'on manque de force de frappe.
pas venir. Non, sérieusement. Regarde tout notre bouclier comme ça. Inutilement. Toi, t'as jamais vu encore comme structure, donc c'est nouveau. Okay, on récupère un peu. Ah, l'argent, on le perd quand on change d'endroit. Voilà qui est curieux. Oui, bah tiens, fais ça. Tu peux me faire ça également. Ok. On va faire ça et ça parce qu'il y aura de l'enchantement à faire à un moment donné, c'est sûr. Voilà, comme ça, là on optimise quand même. Et on prend tout ça. Ok. Directement. Journal de ramassage 01, ok, on l'a déjà eu celui-là. On va récupérer un peu de vie. Et comme ça on va pouvoir repartir. Alors on sait qu'il faut qu'on aille par là. Alors là on a le choix, se téléporter, non pas encore, ou bien venir ici, on va venir là. Sérieusement. Ah là là, ça prend tellement cher. Là, c'est pour ça qu'il y a des grosses armures et des grosses armes après. Hein. On récupère tout ça. Qu'est-ce qu'on va avoir ici ? De ramassage 10. On l'a déjà fait celui-ci aussi. C'est pas
Spécialement bien vu de ma part. Une ou deux salles et puis après on repartira. Aïe 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 aïe. Toi au moins c'est fait, ok. Et c'est fait aussi, parfait. Surtout de l'argent là qu'on a récupéré, enfin de la monnaie dimensionnelle. Là on peut rien prendre. Mais si si on va prendre quand même. Voilà. Comme ça, ça on peut. C'est pas possible ça. Donc on va vous détruire, hein, s'il y a que ça. Et là on prend tout ça. Alors tout ça c'est quoi exactement? Des pièces de monnaie et des détritus dimensionnels. D'accord. On va récupérer de la vie. On a un inventaire plein, pas beaucoup beaucoup d'objets, mais quelques nouvelles choses. Et je pense qu'on fera encore un petit troisième run. Ok. Ah, là, on a de quoi faire une nouvelle ceinture. Voilà une bonne chose. Et là, on a de quoi faire. Il faudra faire un choix. Pour les armes, pas encore. Du moins, pas pour la lance. Et là, il nous manque juste certaines choses. Alors, est-ce que je vais fabriquer un meilleur équipement? Ce que je veux faire surtout, c'est ajouter à la liste. Pour être bien sûr qu'on ne vendra pas n'importe quoi. Voilà. Oui, en fait, voilà, ça c'est encore mieux. Ça c'est pas débloqué, ok. Et ici par contre tout doit être débloqué. Quasiment. Voilà, comme ça on vendra pas n'importe quoi. Parfait. On va retourner ici dans notre réserve. Oh, le robot nettoyeur, sympa ça. C'était pas celui-là.
C'était celui-là. Alors, on va tout passer, presque. Technoboule recyclée. Ok. Ok, ça, ça passe là. Ça, on n'en avait pas. Ok. Et tout le reste, c'est des vieux, des vieilles choses. Garde ces petites choses là évidemment, tout le reste, le reste, est-ce qu'on veut le vendre? Ouais, allez, c'est vraiment histoire de, voilà, on place ça ici et puis on va repartir pour un run. On va encore essayer de récupérer plein de choses. Le but, c'est après de faire de la vente et de se crafter de nos équipements dès qu'on pourra. Allez, c'est reparti. Voilà, première salle. Bon, on va gagner une potion, une potion de soin. Par contre, on aura perdu les deux tiers de notre bouclier. Notamment des matériaux qui nous serviront pour faire les enchantements, parce que je me doute bien qu'il faudra également enchanter nos nouveaux crafts. Ça, ça a brûlé, tout ce que je prends. Ça, c'était pas worth du tout cet endroit. Mauvaise salle. Vers l'intégralité de notre défense. C'est par là. Ça c'est fait. Non, ça sera pas trop mal sorti sur lui. Normalement là on est suffisamment loin. Un peu d'argent, potions encore, ça c'est cool. Les potions sont chères. Oh, ça c'est des matériaux de construction qui nous ravissent. Encore une fois.
Là, comme ça, toi, tu passes. J'ai pas le temps, hein, de les esquiver. Alors. Bah, on prend tout. Pour l'instant, toi, je te mets là, je te ferai enlever le bonus de quelqu'un plus tard. On va venir ici. Ah mince. Ok. Toi, quand, si on arrive à esquiver ta main, en fait, t'es pas dangereux. Voilà, quand t'es comme ça, par exemple. Avec un pattern un petit peu maîtrisé. Avoir d'autres infos, mais bon, apparemment ils veulent pas. Pas grave, hein. On continue. Ok, on prend l'argent, pas de soucis, on est à 100 balles. Voilà, là on est tranquille, on est protégé, c'est parfait. Est-ce qu'on peut se téléporter? Non, on veut passer au niveau 2. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal sur ce run-là. Pas assez de DPS. Alors, on récupère tout ça qui nous intéresse absolument pas. Oh, alors ce gros truc là, je sais pas ce que c'est, mais je le veux. Donc tu me te débarrasses de la barre de fer. Encore des choses. Oui, tu m'enlèves ça. Et tu me prends ça à la place. Ok. Ça semble ok, Pierre. Passage 10, on l'a déjà eu. On va caler vers le bas. On va faire ça ici, comme ça, parfait. Et ça paye, hein. En plus c'est un très bon coffre ça. On peut renvoyer des choses à la maison, ou c'est ce qu'on va faire. Voyez-vous, genre par exemple ça, ça rentre à la maison. Parfait, parce qu'on en a besoin. Ça, ça va rentrer à la maison. Donc, parce qu'on en a besoin également. Hop. Ensuite, ça, on va te placer là. On en a également besoin. Donc, ça va rentrer à la maison. Ça, je suis quasiment sûr qu'on va en avoir besoin également. Ok.
Ok, donc on te renverra à la maison juste après. On va commencer par ça ici. Voilà. Magnifique. Du coup, toi, tu viens là. Hop, on te renvoie à la maison. Parfait. Ensuite, toi, tu vas te placer ici. On va t'enlever ton vilain bonus. Ton vilain malus, pardon. Toi, tu viens là. Sculpture de bois sylvestre. Ici, on va t'enlever un seul. Ton vilain malus. Tu peux venir ici. Ça, tu vas t'en aller. C'est pas grave. Hein. C'est pas un problème du tout. Hop, toi tu enlèves le malus. Hop, tu reviens là. Ça, ça disparaît. Les petites gouttelettes d'eau, ça disparaît. Les câbles, ça disparaît également. Et ça également. Voilà, c'est la bonne opération. Oula non, on récupère ça. Parfait. Ok, là on est bien. On est toujours avec notre arc. Et là je pense qu'on va se passer tranquillement. On récupère une potion au passage, c'est génial. C'est pas la salle la plus bankable du monde. Mais ce qu'elle nous offre, c'est parti pour nous. On n'est pas tant. Il y a quelque chose de nouveau d'ailleurs. On va regarder ce que c'est. Un œuf de combinaison étanche. Oh cool. Ça doit m'immuniser contre le poison ou un truc du genre. Ça, ça vient là. Toi, tu peux te jumeler avec ça. C'est parfait. On va venir dans cette salle. Alors, notre problème, c'est quoi ? Ok, tu meurs et on a perdu plein de choses. La salle qui se trouve juste au-dessus là qu'on n'a pas fait. Arrive. Donc on récupère un peu de vie. Se téléporter ici, qu'est-ce qu'on a ? Schéma et armes, pour l'instant on n'a rien. Donc c'est un petit problème. Besoin d'un portail. Objet maudit, non. Par contre, toi, tu nous ferais des potions. C'est 7500.
je le sens pas. On va aller visiter. On n'aurait pas dû. On n'aurait tellement pas dû. On va se mettre loin et puis on va. Aïe, essayer de faire comme ça, j'allais dire, mais ça fait pas forcément. Pas mal hein. Je l'avais vu faire son mouvement et j'ai pas eu le temps. Ok, là j'ai eu le temps. Ah, là on perd 135. Aïe 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 aïe. Allez, on va y arriver. Forcément un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Ok, il y a un espèce de crâne. Le crâne, on va l'échanger contre ça. Ça, on va l'enlever aussi. Voilà. Parce que là, il y a un objet. L'amulette de poison. On prend. L'amulette de poison, est-ce qu'on l'avait déjà? Il me semble, hein. Substance visqueuse qui s'égoutte de cette amulette peut servir à empoisonner une arme. Bah, faut croire que non. On dirait pas. Si on vient ici, plus d'énergie, nous en manque un. Là, on a les deux, anti-poison. Là, il en manque un. Alors, on va quand même aller voir notre ami ici, là. Ok, t'as rien à me proposer. Bon, et ben on va avancer. On va essayer de faire quelques salles, et puis après on se téléportera. On va l'avoir à l'usure. Hein. Ah mince, non, c'était mal caché, dommage. On récupère tout ça. La salle du bas. Ok, ça c'est good. Mais c'était pas rentable du tout. Cette salle là, c'est pas la première fois qu'on l'a. Jusqu'à présent on l'a plutôt bien géré hein. Ok, là comme ça. Allez, on prend notre temps. L'avantage c'est que là on a le temps. J'ai pas vu le gros monstre pour arriver. Espèce de gros boulot. Peut-être qu'on peut pas venir ici. Voilà.
parfait. C'était Powers, hein, ce qu'elle a proposé. Ça, c'est quoi ça, Spectre? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Oh, il y a des choses intéressantes. Hein. Il y a des choses intéressantes. Cependant, moi, j'ai plus vraiment de place pour les prendre, ces choses intéressantes. Il va falloir faire un choix. On peut enlever ça, certes. Du coup, ça vient ici et on fait l'impasse là-dessus. Ensuite, je mets ça là. Et du coup, on peut prendre les deux. Ok. On va aller faire la salle en haut à droite. Et puis, je pense qu'après, on rentrera. C'était le pire choix que je pouvais faire. On a le choix, droite, gauche. Vu que la droite c'était une réussite, on va passer à gauche. Enfin, c'est une réussite apparemment. On va faire comme ça. Ah mince, raté. C'est pas vrai ça. Et ici. Allez, on va être patient. Allez, encore quelques petites flèches. Et on en sera venu à bout. On a des choses à récupérer là. Ça on veut, ça on veut. Oh, c'est un nouveau type de popo. On en a chopé deux? Non, c'était autre chose. Tant pis pour ça. Mais la grosse potion là, évidemment qu'on la veut. Allez, on tente la droite. On tente la droite. Donc on va aller en bas. Et puis après, on fera le TP. Journal de ramassage 13. La situation s'avère désastreuse. Ça ne va pas du tout. Je ne peux pas attendre ici plus longtemps. Aujourd'hui, je cherche le chemin du retour. Après tout, nos corps étaient faits à l'origine pour nager dans le fluide dimensionnel. Ah oui! Mais comme vous pouvez le voir, d'habitude, il y a 3 étages. Là, il y en a un paquet d'étages. Cela dit, on est plein. On est plein. Et on va pas prendre de risques. Donc, on va rentrer. Allez, hop. LTP à la maison. On a gagné un nouvel anneau au passage. Même si mettre du poison sur mon arme, c'est sympathique, mais c'est limitatif. Alors, le nouvel œuf qu'on a trouvé, il fait quoi? Venant tout droit d'une étrange dimension, elle peut disséminer des gaz dangereux autour d'elle.
Ok. On va retourner dans notre magasin. Et on va aller ranger notre coffre. C'était celui-ci, il me semble. Oui. Alors là, ça m'en fait 2 de plus. Là, on passe à 4. Ça, ça s'empile, c'est uniquement par 5. Ça, on sait que c'est par 5 aussi. 5. Toi, ok, parfait. Ici, on en avait déjà. Ça doit s'empiler par 10, du coup. Ça, on avait. Ça s'empile par 5. On est déjà plein. Eh ben, dis donc. Ça, on peut pas mettre. Ça, oui. Ok, ça s'empile par 10. Les bouteilles. Par 10 aussi, d'accord. Ça, est-ce que à tout hasard, ça s'empile par 10? Oui. Ça, tu peux t'enlever d'ici. C'est pas ta place. Ça, on n'en a pas. Donc, on va mettre le premier. Ça, on n'en avait pas. Donc, on va mettre ça ici. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voilà, comme ça, il en reste un. Quitte à enlever des choses. On va voir pour le moment. On va prendre ce qu'il y a ici. Tu me mets ça là. Ainsi que la potion. Et l'amulette. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. On fera sûrement de la vente. Oui, on commencera le... On va s'arrêter là pour cet épisode déjà, pardon. On aura découvert le nouveau donjon, voir qu'il y a énormément d'étages, beaucoup plus que d'habitude. Ce qui explique peut-être les armes ultra fortes, tout comme les armures. Et dans le prochain épisode, eh ben, on commencera par faire un paquet de ventes. Déjà avec ce qui nous reste du donjon tech et puis les objets non essentiels. Du donjon interdimensionnel pour gagner un paquet de thunes pour essayer de commencer à augmenter nos armes et nos armures. L'idéal, j'aimerais bien augmenter l'arc. L'arc et une armure pour gagner un peu de PV. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas le clap, à savoir commenter, liker, vous abonner et partager. Surtout, n'oubliez pas de partager car vous le savez.